Bon, ben bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un peu sur le même principe qu'une des dernières vidéos que je vous ai sorties, où on va aller pêcher, prospecter des secteurs que j'ai soit jamais pêché cette année, soit jamais pêché du tout, pour emmener des stagiaires ensuite, voir la difficulté de pêche. Normalement, si tout va bien, j'ai la nymphe qui fonctionne. Il y a quelques jours, j'avais vraiment une nymphe qui fonctionnait très 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 bien. Du coup, si les conditions n'ont pas trop changé, ça devrait être pareil. Donc on va voir, on va essayer. C'est parti pour une petite pêche au toc nymphe. Allez, c'est parti. Elle est pas chaude ce matin, je vais savoir. 11 degrés. 11 degrés, c'est pas trop mal. Du coup, je vais faire quelques lancers par là, là devant, mais les poissons, je vais les avoir plus dans le courant, je pense. Je vais juste faire quelques lancers parce que là-haut... c'est en train de nettoyer le mur et il m'a plus dans la rivière, du coup ça doit amorcer un petit peu, ça peut réveiller quelques poissons, mais je vais pas m'attarder trop là, je vais plus me concentrer sur la partie un peu plus amont avec plus de courant. La neuf la plus haute. Ouais, parfait. Je vais accrocher toute seule. Un petit bout de ferraille et je me suis pris dedans pendant le combat. Ok, ben le premier poisson sur la neuf la plus haute. Une petite marron là. On continue, on va voir si ça se confirme. Ok, je vais la descendre d'un étage celle-là. Hop là. Voilà. Je vais tout prête. Toc. Je vais échanger ces deux nymphes. Je vais descendre celle-là plus bas. Je vais monter l'autre plus haut. Voilà, je fais l'échange. On va voir si... ça marche mieux avec la nymphe qui m'a pris déjà deux poissons sortis. Je l'ai descendu d'un étage, elle était en troisième position en haut, tout en haut. Voir si en la mettant un tout petit peu plus bas, j'ai plus de poissons. Et voilà. Et elle a pris laquelle. Pas de grosse celle-là. Non, elle pas plus. Elle a pris celle tout en haut. Peut-être que c'est juste la position. Il y en a encore une petite. Ah, j'ai merdé. Je passais plus lentement et direct.
Là, je pêche extrêmement vite, je ne suis pas distrait. L'objectif, voilà, c'est d'avancer, de regarder la tête du secteur. C'est pas vilain en plus. C'est pas très bon. Jusqu'à la gouache. Allez. Ça a pris pas plus haut. Ok, un joli petit poisson, hop les gras comme un loukoum, doucement, elle va partir elle, voilà. Un joli petit poisson qui fait pas loin des 30, allez repart ma belle. Ouais, j'étais pas trop mal pour en face, il y a moins d'eau. Mais pour pêcher devant, un peu plus haut, il y a un peu plus de jus en plus. Il va falloir que je repasse plus lourd. Quand même. Ah, ça fait plus de décroche, pas grave. Je vais me mettre comme elle est. Si elle est encore au bout, c'est relève du miracle. Putain, elle est encore au bout, quoi. Et celle-là, elle avait vraiment envie de se faire gauler. Elle vient par là. Oula. Encore la même. Ah non, même pas. T'as pris celle-là, toi. Ok. Cool. Putain, ils sont gras, les poissons. Ils ont mangé. Le ventre, il est tellement dur, on peut même pas enfoncer le doigt. C'est hallucinant. Ils ont mangé, les poissons. Hein. L'eau, elle est montée, là, ça fait quelques jours. On a des petites montées d'eau avec des pluies. Les poissons, ils sont gras. Il a fallu racler. Ça fait mon histoire. Il a détourné. Même par là. Voilà. Plus bas sur le poste. Hop là, en raclant mais comme jamais, c'est la solution, racler. Voilà, c'est ça la solution, pour racler comme pas possible, essayer de la remonter avec peu d'eau. La même. Elle est plus grosse celle-là. Ouais, le petit poisson. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Elle va être sur la remontée là. On va faire quelques dérives, on va voir.
Bon ben voilà, fin de cette petite prospection. Je fais ouais, 3 petites heures de prospection. C'était pas mal, il y a eu vraiment des endroits sympas. J'ai découvert 2-3 trucs. Confirmation sur les nymphes. Hein, j'ai pas beaucoup tourné, mais pour le peu que j'ai tourné, c'était toujours les mêmes. Quelques poissons à toucher, pas la folie, je pense qu'il y a mieux à trouver, mais quelques poissons quand même, surtout sur des confites particulières. Dès que j'étais là-dessus, ça tapait de suite. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si ça vous intéresse de découvrir le Toc Nymphe, à me contacter via mon site internet, le lien en description. Allez, ciao, ciao.